Les téléspectateurs ont rendez-vous avec un nouvel épisode des Feux de l'Amour ce lundi 8 novembre 2021 sur TF1. Les aventures des habitants de Genoa City sont à découvrir à 11h. Toute la telle vous propose de découvrir les intrigues qui composent cet épisode. Reed sous pression, Nikki sort enfin du coma. Ses résultats des analyses sont plutôt encourageants. C'est un soulagement pour toute la famille, même pour Reed, qui redoute en même temps qu'elle puisse raconter la vérité. Le secret de Efe et Nana et Devon ont une explication. Ce dernier souhaite rencontrer le parolier de la chanson de Efe pour lui faire signer un contrat. Efe fait avouer à Anna qu'elle est auteur et promet de garder son secret. Lola admirée par Kerry est en admiration devant le sac à main de Lola. Le plan de Victor Nate a une visite surprise de Victor, dans sa voiture. Ce dernier lui demande de l'aide, pour le bien de Nikki. Victoria, Phyllis et Nicolas vont voir Nikki et constatent qu'Hélène n'est pas dans son lit. Nate et Anna essaient tant bien que mal de distraire Devon, pour ce premier Noël sans Henry. En parallèle, William interdit à Victoria de travailler le matin de Noël et prévoit alors toute une journée des activités pour Johnny, Cathy et elle. Dans le même temps, Victor, toujours au chevet de Nikki, se souvient de son tout premier Noël passant sa compagnie. Par ailleurs, Mariah présente une émission spéciale de Noël et encourage les téléspectateurs à partager leurs plus beaux souvenirs de famille. Se remémore alors le Noël de El Ami Passy, où Dinah luttait déjà contre la maladie des Alzheimer, puis un Noël bien plus ancien, à l'occasion duquel il avait passé des moments privilégiés avec sa mère.